en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très contents. On retrouve comme chaque lundi le cours du Rav Menachem Ackermann, des Elul Nishmat, Michel et Gérard Sananès, bien sûr. Et donc, on est vers la fin du Kriyat Shema. Donc, j'annonce qu'il y aura ce cours et Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ce sera le dernier cours de la saison pour les cours du lundi soir avec le Rav Ackermann pour clôturer une étape de la Tfila. Bechavodara. Ils ont effacé, on dirait, le truc. Todaraba, ve shalom le koulam. Donc, comme Johan nous l'a dit, on continue. Johan, mais en ce moment, je ne sais pas si on veut mettre de la musique, mais pour remettre le minag. Si tu trouves quelque chose de vocal sur Verenin Motoratecha, je vais passer à la fin du cours, là, malo. Tov, alors donc, on continue. Et en gros, je vais déjà tout de suite ouvrir notre texte habituel. Et comme ça nous permet aussi de dire tous les refouach shlema et les ilou nishmat l'avdil alfe avdalot. Donc, on remonte tout en haut pour ça. Donc, les ilou nishmat Michel et Gérald Sananès. L'unishmat Victor, Chaim, Behar, Ben Duna, Nelly, Bad Rachel, Olga, Faegi, Batlev, Yvonne, Sarah, Bat Fanny, Claude, Moshe, Ben Adel, Elir, Fouachlema, Shel, Chana, Ben Sion, Rav, Yaakov, Naon, Ve, le fils de Rav, David, Partouche, j'ai oublié son premier nom, Fradji, Hachem, Michelar, Loro, Fouachlema. Voilà. Tov, donc, pour vous rappeler, on est dans le quatrième, à mon avis, troisième ou quatrième cours sur Kriyat Shema et les bénédictions de Kriyat Shema. Et dans notre lecture des choses, le Shema et les bénédictions de Kriyat Shema font partie d'un ensemble qui est lié au niveau des quatre échelons de la Tfila, la Bria. Et on avait dit que la Bria, c'est l'unité des valeurs. Alors, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était, on pourrait dire, l'unité interne des trois passages du Shema, puisque un cours sur le premier verset, un deuxième cours sur le premier paragraphe, et un troisième cours sur les deux autres paragraphes et sur l'unité générale. Et on a vu que cette unité, elle était exprimée en conclusion, de même que c'est logique. On ouvre avec une phrase essentielle qui est « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad » et on termine avec une phrase essentielle qui est « Hashem Elokechem Emet ». Et c'est la raison pour laquelle aussi, ce qui est marqué ici, le Shalir Tzibur, Chozer Veomer, il répète une deuxième fois « Hashem Elokechem Emet ». De nouveau, il y a la coutume Ashkenaz, la coutume Sfarad. Comment est-ce qu'on fait cette chose-là? Mais c'est comme si chacun le disait en particulier, et le Tzibur, par l'intermédiaire du Shalir Tzibur, du Chazan, le disait en collectif, il disait que c'est ça, notre aussi une phrase des Emunah de base. Comment est-ce qu'on l'a lu? On l'a lu comme ça. Le premier paragraphe correspond à Shem, qui est Yud Kevavkei, la vertu de Chesed. Le deuxième paragraphe, Elohim, c'est la vertu de rigueur et en même temps celle qui fait que Dieu descend ici et est relié avec nous, puisqu'il y a marqué Elokechem, votre Dieu, et les deux ensemble, et c'est le mot Emet. Et le mot Emet, vous le savez, la vérité, c'est aussi le mot de Yaakov Avinu, Titen Emet le Yaakov, et qui correspond à la synthèse entre les deux, c'est-à-dire la ligne médiane entre les deux. C'est pour ça que quand on dit Hachem Elokechem Emet, c'est que, d'un certain point de vue, avec le premier paragraphe du Shema, on a développé la dimension Hachem, Vafta, c'est-à-dire toute la Hava. La deuxième, le Ovdo, c'est le service divin, l'accomplissement des mitzvot avec toute la difficulté de si tu le fais pas, si tu le fais récompense, si tu le fais pas, punition, vous vous souvenez, c'est-à-dire la galoute, action-réaction. Et ça, c'est la justice, donc c'est Elohim et Elokechem. Mais d'un autre côté, c'est ça qui fait une corrélation, parce que les grandes idées, ça vaut rien tant qu'on ne les met pas en pratique. Et quand on les met en pratique, alors on est dans le monde de la réalité, le monde des mitzvot, le monde de l'action, le monde de la matière, le monde de tout ça, etc. Et c'est comme si tu dis que tu aimes quelqu'un, alors ça c'est le premier chapitre, Ve'avta et Hashem Elokecha. Le deuxième, viens, on va te voir. Le'ovdo, bechol et vafrem, chon epshechem. C'est-à-dire, mets les choses en application, montre que Bémet, tu es prêt à faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Et donc ça c'est Elokechem, et Emet, ça c'est plus difficile à comprendre, mais c'est la logique, c'est que s'il y a trois paragraphes, un à droite, deux à gauche, trois au milieu. C'est-à-dire comme on a toujours vu, le premier à droite, Chesed, le deuxième à gauche, Gevura, la rigueur, la justice, la loi, l'application, l'orthodoxie, tout ça, ça va dans le même sens, d'accord? C'est-à-dire, je suis religieux de l'action,
Et la troisième, c'est la synthèse des deux. Et la synthèse, il s'avère, c'est aussi la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est la révélation du projet du Créateur qui se révèle dans sa vertu de Shlemut, de complète, qui a tout ensemble, donc l'Emet. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas que Yaakov qui est Emet, il y en a encore un autre, qui est le deuxième. Il y a Titan Emet le Yaakov, et qui encore. C'est les... Il y a Femeot. Qu'est-ce qui a dit ça? Les enfants de Bilam. Nahon, Bené Bilam, ils ont dit, quand ils se sont été engloutis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vas-y, Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshe Emet et Torato et Torato Emet. Nahon, il a fait Moshe Emet et Torato Emet. Nahon? Ken ve em badaim. Mais en tout cas, Moshe Emet et Torato Emet, il y a les Ashkenazim, ils ont une belle chanson comme ça. Moshe Emet et Torato Emet. Comme ça. Et donc, Moshe et Yaakov, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Parce que la Torah de Moshe, c'est la Torah de Moshe qui est donnée aux enfants de Yaakov, aux bénis Israël. Et c'est pour ça qu'on a marqué Kotomar le Bet Yaakov et Tagel ibn Israël, c'est-à-dire la Torah a été donnée à Yaakov et Israël, ni à Avraham Yitzhak, puisque c'est le père qui est fondateur d'Israël, puisqu'il est dans la Tiferet, c'est-à-dire dans l'harmonie de tout, et il a reçu une Torah qui est Torah Tatiferet, la Torah qui est l'harmonie de tout, et qui est là. Pour mémoire, j'avais fait un cours, je crois, l'année dernière dessus, sur la Gemara de Shabbat qui dit « Béni le peuple triple qui a reçu une Torah triple, qui a été donnée aux enfants triples, Am Telitaï, le Torah Telitaï, etc. Yarer Telitati Beyom, etc. Le troisième jour, le du troisième mois, etc. » Et le Maharal et tous les autres commentateurs expliquent que quand on parle de Tlitaï, ouais, c'est-à-dire que ce n'était pas des histoires de Litaï, mais c'est que c'est dans la vertu de l'harmonie entre tout, et c'est ce qui est marqué ici. Et ça ne nous étonnera pas du coup que dans la suite, je ne l'ai pas signalé ici, mais regardez le nombre de fois où le mot émet est émis, d'accord? Si vous voulez, je peux directement vous révéler le nombre de fois ici, c'est-à-dire, c'est le thème en fait, le thème de la bracha de Gaal Israël, c'est le mot émet. Je l'ai signalé ici, mais en fait, il apparaît 8 fois. Il y a 8 fois marqué le mot émet dans la bracha qui vient après. Donc, on développe ça. Et nos sages nous disent, Hashem Elokechem Emet d'Oraita. C'est-à-dire le fait de finir le chemin, bien que le chemin se finit par les mots Ani Hashem Elokechem. C'est pour ça que j'ai mis ici où on a mis les 2 points. Le mot Emet est rajouté, mais c'est, en fin de compte, c'est de conclure de manière réelle cette chose-là. Alors, quand on parlait de cette ligne médiane, pour terminer complètement ça, je voudrais vous dire un petit vort, ce qu'on appelle un vort, c'est une petite idée que j'ai trouvé, inventé, et que j'aime bien, et je vous l'ai sûrement dit déjà une fois ou deux, mais je fais confiance que les gens, ils ont une mémoire faillible, et donc du coup ça me permet de le répéter une fois de temps en temps, c'est que on avait cité, je vous avais dit, la question, quel est le rapport entre le tzitzit et la sortie d'Égypte, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte le matin et le soir. Nachon, et le matin tiskor et yom tzetram eresmir kol yemechayecha, yemechayecha yamim kol yemechayecha lelot. Donc on a une mitzvah de se souvenir, et nos sages l'ont structuré, l'ont mis en forme par le fait qu'on lit le troisième paragraphe du Kriyat Shema le matin et le soir. C'est la raison pour laquelle on le lit, c'est pour ne pas oublier ou pour se souvenir la sortie d'Égypte. Et c'est ce qu'on dit à la dernière phrase, Ani Hashem Elokechem, Asher Otseti Etrem Eret Mitzrim Liod Lachem L'Elohim, Ani Hashem Elokechem, Emet, bien entendu. Et la bracha suivante va nous rappeler tout ça, comme on peut déjà tout de suite le voir, ici, Emet, Mi Mitzrim Galtanu Hashem Elokenu, c'est vrai, d'Égypte tu nous as sauvés, Mi Bet Avadim Peditanu, de la maison d'esclavage tu nous as sortis, Kol Bochem Rakta, tu as tué tout leur premier-né, Ubechorcha Israël Galta, et ton aîné d'Israël tu as libéré, Veam Souflem Bakata, et la mer rouge tu as entrouvert, Vezedim Tibata, et les fautifs tu as coulé, Vididim Evarta, et tes amis tu as fait passer dans la mer, Vechasumem Tsareem, et l'eau a recouvert leurs oppresseurs, et Radmeem Lonotar, aucun d'eux n'a été sauvé. C'est pour ça que nous chantons tes louanges. Donc en fait, le sujet de la dernière bracha, c'est le même sujet que
que le troisième paragraphe, c'est la sortie d'Égypte. Alakha le maase, si quelqu'un a dit le troisième paragraphe du schéma, mais il pensait autre chose, ce qui arrive rarement, mais j'imagine que ça vous arrive quand même de temps en temps, et que donc vous avez oublié de vous souvenir, parce que la mitzvah, c'est de souvenir. Si tu as lu le verset et que tu ne te souviens pas, tu as fait la mitzvah de lire le schéma, mais tu n'as pas fait la mitzvah de te souvenir, Zachor, de te souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, il y a la session de rattrapage, elle est ici. C'est-à-dire que si à ce moment-là, vous en êtes souvenu, et que quand vous dites ce émet-là, vous dites maintenant je me souviens de la sortie d'Égypte, vous avez réalisé la mitzvah, ce n'est pas la peine de relire le troisième paragraphe du chemin plus tard. C'est-à-dire, souvenez-vous que c'est l'occasion, moi personnellement, je dois reconnaître mes fautes, ça m'arrive de penser à autre chose et de m'en souvenir entre les deux, et à ce moment-là, je me rattrape à ce moment-là en sachant, je n'ai pas besoin de relire, je peux me fixer sur ce texte poétique, en fait, vous avez vu, c'est un texte impiout, c'est-à-dire c'est une écriture qui est écrite beaucoup plus tardif, poétiquement, et qui mentionne aussi la sortie d'Égypte. Voilà, alors pour revenir, le dernier verset c'est la sortie d'Égypte, et comme on avait dit, c'est les tzitziot. On a vu la semaine dernière que c'était la globalité, mais pas dans la globalité de la pluralité, c'est-à-dire, ce n'était pas dans le sens de la globalité que je dois me souvenir de qu'il me remettre en mémoire les 613 mitzvot, c'est que je dois réussir à faire la synthèse de tout et de savoir que tout était lié avec Akadosh Baruch Hu, et j'avais dit que c'était lié avec le fil Techelet, vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand on lit la sortie d'Égypte, le Emet et le fil bleu, c'est qu'on dit en sortant d'Égypte, nous avons reçu le cordon ombilical de ce fil bleu qui nous lie à Kadosh Baruch Hu et qui nous donne le rationnel de l'unité, du Emet, de l'harmonie de tout ce qui était jusqu'à là. C'est-à-dire que c'est ça cette unification des valeurs, parce que vous vous souvenez qu'on avait dit que tout le chemin et ses bénédictions sont dans l'unification des valeurs, Ichud Amido. C'est-à-dire, en général, c'est toujours l'unification des contraires. D'accord? Et donc, ce émet, c'est l'expression de ça. Ça prouve, on pourrait dire, que si j'ai réussi à dire le mot émet, j'ai réussi à faire un bon kriyat shema. Parce que vous vous souvenez, on avait vu depuis le début, Bechol Afra, Nafshecha, Meodecha, chaque endroit, il y a toujours une unification spécifique. Et quand je dis ça, je suis dans ce émet. Et c'est ça qui était au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est ça qui est dans le fait de voir le tzitzit qui dit Uritem et Kol Mitzvotai. Et kol mitzvotai va citer motam. Vitem que de shim va citer et le mantisk uritem auto. Comment vous c'est marqué? Uritem auto schartem et kol mitzvotai va citer motam. C'est-à-dire, la notion de tout, c'est important, mais tout dans la notion de itkalelut, c'est-à-dire l'unification de tout. Ça, c'est ce que j'ai un peu dit la dernière fois. Et j'avais mentionné, et c'est ça le petit vort que je voulais dire, j'avais mentionné le fait que pourquoi est-ce que le bleu azur d'un petit fil, c'est-à-dire que ce n'est pas tout l'habit et ce n'est pas tout le tzitzit, c'est un petit fil, ce petit, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il va nous ramener à l'origine? Parce qu'on dit que le techelet du tzitzit ressemble à la mer, qui est aussi azur, qui ressemble au ciel, qui est aussi azur, chez Domel Kisséakavod, qui ressemble au Kisséakavod, qui est aussi azur. Et quelqu'un avait dit que c'était aussi la couleur de quelle pierre, j'ai oublié. Qu'est-ce qui a dit ça la semaine dernière? Saphir. Le saphir. Merci Shulamit, shalom. D'accord, c'est ça. C'est le saphir. Donc la pierre de saphir qui est celle des séphirot. Alors, le vort c'est comme ça. Vous connaissez tous, vous savez qu'en mathématiquement et aussi physiquement, au niveau des formes, vous avez des choses en une dimension, deux dimensions, trois dimensions, etc. En une dimension, c'est la ligne. En deux dimensions, c'est le carré, c'est-à-dire x au carré. C'est pour ça que ça s'appelle au carré, x fois x. En fait, au niveau géométrique, ça représente un carré. X à la puissance 3, ça fait quoi? Un cube. Très bien. Et x à la puissance 4, ça fait quoi? Je ne sais pas. Voilà, toi, tu ne sais pas et personne ne sait. Parce que mathématiquement, c'est exprimable, d'accord? Mais physiquement, c'est inexprimable. Par exemple, Einstein
a lié X, Y, Z et T. C'est-à-dire qu'il a fait une explication du monde en quatre dimensions, mais on ne peut pas le dessiner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un cube en quatre dimensions, à plus forte raison en cinq dimensions, six dimensions. Mais par extrapolation mentale, on peut comprendre que si je comprends ce que c'est qu'une droite, je comprends ce que c'est un carré, et je comprends que c'est qu'un cube, il existe un cube en quatre dimensions, en cinq dimensions, en six dimensions, sauf que notre esprit qui vit dans un monde de trois dimensions ne peut l'imaginer, mais il existe, d'accord ? Par exemple, j'avais vu au musée de la découverte à Paris, la projection d'un cube en quatre dimensions, en trois dimensions, de même qu'un écran de télévision, c'est une projection, ou une image tout simplement, c'est une projection d'une trois dimensions en deux dimensions, et on le voit. Si vous faites une projection de deux dimensions et une dimension sur une ligne, vous ne voyez plus rien. Vous avez un spectre, d'accord ? C'est-à-dire des couleurs différentes, mais vous avez perdu l'image. L'image, c'est la projection de trois dimensions en deux dimensions. Donc, l'esprit peut imaginer une projection de quatre dimensions à trois dimensions. Je l'avais vu, ça ne donne rien. C'est-à-dire que ça ne nous permet pas d'imaginer ce que c'est. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le fil de Trélet, il est en combien de dimensions ? En une dimension, ouais, le fil. Mais un fil, un tzitzit, c'est un rayon. Un rayon, il est infini. C'est-à-dire que le tzitzit, c'est un rayon en une dimension. Et il nous fait penser à la mer, qui quand nous, on voit la mer, on sait qu'elle a une profondeur, mais telle qu'elle est vue par l'homme, elle n'est pas seulement azur, elle est aussi, elle nous donne la connaissance de l'infini en deux dimensions. C'est pour ça que les gens, ils vont à la mer. Ils ne vont pas seulement à la mer pour se marier, pour se nager, ils vont aussi à la mer pour contempler l'infini. Ça nous calme ou au contraire, ça nous angoisse. Mais en tout cas, on a cette impression extraordinaire de voir un infini en deux dimensions. Et ça nous rappelle le ciel. Et le ciel, c'est quoi ? C'est infini en trois dimensions. Et ça nous rappelle le Kiseh Kavod, qui est l'infini en quatre dimensions, en cinq dimensions, en six dimensions, en une infinité de dimensions. C'est-à-dire que par cette ureitem auto, par cette extrapolation, on comprend comment est-ce que l'infini descend dans le monde en baissant de dimension. C'est-à-dire on développe cette idée-là pour arriver à l'infini de Hakadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, c'était mon vort personnel, c'est-à-dire mon chidush personnel, c'est d'Arava Yosef. Et donc, c'est pour ça que je vous le disais, et la vérité, c'est que quand j'embrasse mon tzitzit et que je pense à ça et que j'ai le temps, alors je pense aussi à cette idée-là, au moment de Kriyat et c'est ça, la sortie d'Égypte, c'est la révélation de ce qui est au-delà des trois dimensions, c'est-à-dire ce qui est au-delà, qui c'est à Kavod, etc. Mais au-delà des trois dimensions, il y a peut-être le temps. Oui, aujourd'hui oui. Mais si tu veux, c'est une autre dimension, parce que dans le temps aussi, il y a des dimensions. C'est pour ça qu'il y a sept jours, etc. C'est-à-dire, il y a le temps et ses dimensions, il y a l'espace et ses dimensions. Comme j'ai dit, Einstein a réuni temps et espace. C'est-à-dire, mais on savait très bien qu'il y avait le temps et l'espace, mais il y a au-delà du temps et au-delà de l'espace. C'est-à-dire que le Kiseh HaKavod, il est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. C'est-à-dire, et la capacité pour l'homme de penser au-delà, une des méthodes, c'est la méthode d'extrapolation. C'est-à-dire de développer la méthode... J'ai oublié. Et pourquoi les femmes ne peuvent pas le faire ? Et pourquoi les femmes n'ont pas de talit ? Pourquoi les femmes n'ont pas de talit ? C'est une bonne question. Tu me casses la tête. Tu te casses la tête. D'abord, ce n'est pas interdit. Sauf que si tu sors tes tzitzit dehors, les gens te considèrent comme une originale, je dirais. Mais ce n'est pas interdit pour les femmes ni de mettre les tzitziot, ni de mettre... Comme réformite. Quoi ? Non, les femmes les réforment, ils mettent les tzitzit. Oui, ils les mettent. Mais si tu veux, justement, parce que pour eux, ce qui est important, c'est d'annuler la... C'est-à-dire de faire plus d'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Mais moi, j'ai la réponse, c'est parce que nous, on a très bien compris l'infini. Les femmes, nous savons ce que c'est l'infini. Quand nous accouchons, quand nous voyons des bébés, c'est l'infini, ça. On n'a pas besoin de... Il y a fait. C'est la même réponse que je voulais te donner. Ah, C'est que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama. En fait, je vais... Et, tu sais, c'est-à-dire qu'il dépend du temps... Et d'ailleurs, Manitou il donnait la même réponse. C'est-à-dire que le besoin d'objets pour les hommes et pour fixer certaines idées, les femmes, elles n'en ont pas besoin. Et l'image que tu donnes sur la naissance, j'adhère totalement. Alors, je dirais qu'à la limite, au lieu du tzitzit, ils ont le cordon ombilical.
Et il a fait. Donc, c'est le ptil, parce que d'ailleurs, Dorikeshu Ptaltol, Patoul, c'est entortillé. C'est-à-dire que ça correspond vraiment au cordon ombilical. Et c'est vrai, Zénachon. C'est-à-dire qu'elles n'ont sans doute pas besoin. Parce qu'en fait, cette semaine, dans une autre occasion, j'avais expliqué que vous savez que le mieux pour un homme, de nouveau, Annette, pour un homme, c'est d'aller à la synagogue avec son talit et ses tefilin. Vous savez, c'est-à-dire de sortir de la maison déjà à tour betzitzit betfilin. J'imagine qu'en Israël, il y a des gens parmi vous qui voient, des gens qui vont au Bet Knesset le matin avec talit ou tefilin. Normalement, tout le monde devrait le faire, mais comme en galoute, c'est impossible. L'habitude s'est un peu perdue et il n'y a plus beaucoup de gens qui le font. Mais par exemple, Ben Ishraï, qui était à Bagdad et qui ne pouvait pas se permettre de le faire tellement facilement, il a dit, mais il n'y a pas de problème, ce qu'il faut, c'est se faire des toutes petites tefilines minuscules, comme ça personne ne les voit pour aller à la synagogue. Il dit, moi, je me suis fait faire des tefilines comme ça, que j'enlève après, je mets les autres quand je suis au Bet Knesset, etc. Donc, il n'avait pas renoncé, mais même à Bagdad, ce n'était pas si facile de se promener dans la rue, de prendre le métro et l'autobus avec des tefilines. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de faire comme ça? Ce n'est pas une obligation, c'est une mitzvah, c'est un mieux. Parce qu'il y a marqué que tout celui qui est chez Eshlo, tefiline al rosho, tzitzit al bigdo, ve mezuzah al pitho, alav neima, ve achut al meshula, shlobim hera yenatek. C'est un verset de Michelet qui dit comme ça, que tout celui qui a les tefilines sur sa tête, un tzitzit sur son habit et une mezouza sur sa porte, à ce moment-là, sur lui est dit le fil, en fait la ficelle qui est faite de trois fils, l'obimeran tech ne va pas se défaire très vite. Entre parenthèses, pour faire un fil, pour qu'il tienne, il faut le faire avec trois filins torsadés d'une certaine manière. C'est une science. Comment est-ce qu'on fait des câbles et des fils, etc. Mais en tout cas, il les fait toujours de trois. C'est pour ça que un câble s'appelle une chalchelet. C'est-à-dire, chalchelet, c'est un milachon chaloche. Ou charcheret, parce que resh et lamet, c'est des lettres mitralfot. Et au théâtre mitralfot, et donc, on dit, lui, il est triptyque. Il a les trois choses essentielles. Et en fait, c'est très beau. Pourquoi? Parce que nous avons trois habits. Le premier habit, c'est notre peau. C'est quand notre or, d'accord? On a un deuxième habit, c'est les habits. Et puis, on a un troisième habit, c'est notre maison. C'est-à-dire, c'est les trois enveloppes qui nous enveloppent. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de mettre son nom sur notre peau, c'est les téfilines, de mettre notre nom, de mettre son nom sur nos habits, c'est les tzitziot, et de mettre son nom sur notre maison, c'est la mezouza. Et c'est pour ça que quand tu mets les tzitziot à la maison et le talit et les téfilines, en fait, tu embrasses la mezouza et tu accomplis le fait d'être en même temps avec les trois. Donc, alors de nouveau, Annette, je suis désolé pour elle, mais c'est-à-dire qu'au niveau positif de ça, c'est la chance des hommes qui peuvent faire cette chose-là, d'avoir les trois ensemble. Mais ce que je me suis dit, c'est que dans le fond, les femmes, on ne leur a pas demandé de mettre ni les tefilines sur la peau, ni les tzitziot sur l'habit, parce que sans doute que cette relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu au niveau de ces deux enveloppes, vous êtes beaucoup plus proche et vous l'avez beaucoup plus que les autres. Par contre, la maison, on dit que « en bait et la isha ». Vous savez, c'est-à-dire que la maison, en beto et la ishto, et c'est pour ça, comme je vous avais dit la semaine dernière, non, je vous l'ai dit ou non, non, je ne vous l'ai pas dit, c'est pour ça que nos grand-mères séfarades, quand elles faisaient leur tefila, où est-ce qu'elles allaient? Devant la mezouza. Voilà, elles mettaient la main sur la mezouza, elles mettaient devant la mezouza, et c'est là qu'elles priaient, parce que, et puis en plus, il y a marqué le manir b'mechem b'menechem, la maison c'est aussi le pays, c'est la terre, etc. Donc c'est ce qui est marqué ici. Voilà. Donc pourquoi je disais tout ça? Pour répondre à Annette. C'est bien, très bientôt d'Araba. Dans ces conditions, on pourrait ne pas dire le troisième paragraphe du schéma. Les femmes? Oui. Oui. On va dire que deux paragraphes. On Parce que pas obligé pas de dire le troisième. Oui. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas. C'est mitzvah assez chez Azman Grama, le mantiskeru. C'est-à-dire, les femmes. Regarde. Les femmes, elles sont pour autres de Kriyat Shema, Mina Torah. Je me souviens plus. Ken, mais je me souviens plus précisément. Disons que dans la seule chose, c'est qu'on enseigne, c'est pour pouvoir enseigner aux enfants et le chinour. Alors, je me souviens plus les détails. Il faudrait que je vérifie, à moins qu'il y ait quelqu'un ici qui connaît la réponse précise. Mais les femmes, on leur dit de dire Kriyat Shema, parce que c'est Soda Emuna.
C'est l'aïmouna. L'aïmouna, c'est important pour tout le monde. Mais est-ce que c'est une obligation, une coutume ou une obligation rabbinique ou minatora? Il me semble que c'est une Mishnah, juste de la Mishnah dans Brachot, Nashim Turot Mikriat Shema, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire Mikaradin, Minatora, Ishaptura, des trois chapitres de Kriat Shema. Des trois. C'est-à-dire de nouveau, entre le Ptour et la coutume ou l'obligation rabbinique, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, il y a Machloket en Dashkanis Faradim sur le niveau d'obligation pour les femmes. C'est-à-dire, alors on continue. Todaraba, on continue sur la suite. Alors, on a fini avec ça. Et je voudrais signaler encore une chose après, c'est qu'après cela, il y a un vav qui apparaît tout le temps. Alors là, je l'ai mis en bleu, oui. J'ai encore un peu à grandir, pour tous ceux qui ont besoin qu'on agrandisse un peu. Voilà. C'est qu'après le mot Emet, dans la tefila de Shaharit, alors justement, Hashem Elokechem Emet, comme je vous ai montré, le mot Emet va devenir le thème central de cette bracha. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant. La première bracha va être liée avec la première paragraphe du Shema. La deuxième bracha va être liée avec le deuxième paragraphe du Shema. Et la troisième bracha va être liée avec le troisième paragraphe du Shema. Alors, comme on fait, je veux faire les choses dans l'ordre, maintenant on est sur le troisième, mais je préfère revenir au premier. Mais regardez donc, comme je vous l'ai montré, que le mot central de celui qui l'a rédigé, il a repris le mot Emet, 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 8 fois, pour bien montrer que c'était le thème central. Et la deuxième chose, c'est ce Vav, c'est intéressant. Alors, chez Sparadim, c'est chanté Veyati, Wenachon, Wekayam, Veyachar, etc. Nachon, ça c'est l'air, je ne sais pas si c'est les Marocains, Tunisiens, mais en tout cas, c'est bien que ça se chante, c'est exact. Yitzhak, c'est quoi? Ouvre le micro si déjà tu le chantes. Chante-le devant nous comme il faut. Alors, vas-y. Vas-y, Yitzhak. Non, il n'ose pas. Bon, l'orachou. C'est. Alors, d'accord. Alors, en tout cas, vous voyez ici qu'il y a jusqu'à Veto Veyafe Adavareze Alenu Lolambay. Alors, c'est-à-dire que c'est quoi? Ani Hashem Elokechem Emet. C'est-à-dire, je suis Hashem Elokechem Emet. Et on dit que cette vérité qu'on a affirmée, elle est Yatsiv, Nachon, Kayam, Yachar, Neman, Aouv, Haviv, Nechmad, Karim, Dora, Dirum, Tukan, Mkubal, Vetov, Yafé, Adavarazé. Adavarazé, c'est Hashem Elokechem Emet, le Alenu, le Olambe. D'accord? C'est-à-dire qu'on a ici marqué combien de fois? 15 fois, et 15 attributs pour dire combien c'est vrai. D'accord? Hashem Elokechem Emet, et ça c'est vrai 15 fois. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des Vavim. Parce qu'on n'était pas obligé de les mettre. On pouvait dire Emet, Yatsiv, Venachon, Kayam, Veyachar. Vous pouvez le mettre une fois sur deux. Il y a toutes sortes de possibilités de comme un syntaxe hébraïque pour le mettre autrement. Et c'est clair que le Paitan qui a décidé d'écrire ça, parce que tout ça, les brachot, c'est des piyutim, c'est-à-dire c'est des choses qui ont été écrites de manière littéraire, poétique. Il a décidé clairement de mettre 15 fois le Vav. C'est-à-dire, alors, je vais vous le donner l'explication à Alpi Asod. Alpi Asod, la ligne médiane, c'est le Vav du nom de Dieu. D'accord? Vous avez Yud à droite, Hey à gauche, Vav au milieu. Hey c'est où les 15? Moi, je compte 12. C'est, 12 il n'y a que 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah oui, d'accord. Alors, pourquoi 15? D'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Peut-être que ça a mis en lui Yud et Hey dans dessus, c'est-à-dire le 15. C'est 10 et 5, c'est comme les 15 escaliers dans le temple et les 15 shiramahalot, etc. Et ils font allusion aux deux lettres au-dessus qui sont synthétisées dans le Vav. C'est-à-dire que vous avez le Yud à droite, le Hey à gauche, dans le nom de Dieu, et le Vav qui est un Vav, c'est une ligne, c'est la ligne médiane qui représente cette tiferet. Donc c'est pour ça que c'est beau de savoir que quand on chante, on dit waouh, 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 d'accord, 15 fois on dit waouh, c'est extraordinaire, comme disent les Israéliens. En fait, on fait allusion à ces trois triptyques qu'on avait déjà dit dans Hachem, le Kerem Emet, Yosef, Bechavon. C'est que 15 fois 6, Vav, ça fait 90. Avec le Alef Emet, ça fait 91. Ce qui est la gématria du mot Amen et de Adnout et Avaya. 66. Chazak ou Baruch, tu viens de l'inventer ou tu le savais? Oh non, non, c'est pour ça qu'on le chante. Ah, il a fait Meon. C'est pour ça qu'on le chante. D'accord.
Yafé meot. C'est très très beau. D'accord, parce que amen, c'est met vemuna de harvit. Ici, c'est met veyatsiv. D'accord, et c'est en plus yafé meot. C'est de nouveau allusion à yichud. Yichud très beau. C'est chazak ubaruch. Merci beaucoup Yosef. Et donc maintenant, on a fini avec tout ça et on revient au début des brachot. C'est-à-dire qu'en fait, on recommence depuis le début, on commence avec les trois brachot. Alors comme je vous ai dit, vous imaginez bien qu'il y a un rationnel dans le choix des trois brachot. C'est pas que les chachamim, ils disaient, faut chanter des jolies chansons avant le shema et après le shema. Et donc il y a eu un paitan qui a écrit une belle chanson. Et tout le monde l'a chanté, donc ils ont dit, eh ben, si on les mettait au début, avant le chemin, et puis si on mettait la deuxième après, c'est-à-dire des choses qui se sont évoluées de manière aléatoire, etc. Bien entendu que non, c'est absolument faux. Il y a une marchava, comme je vous ai dit, tout ça, le Yesod, c'est Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, c'est les Nevi'im, Acharonim, Chagai Yisra'el, Mishé Mitocham, Chagai Yisra'el, Zecharia ou Malachi. Et par eux, c'est toute la prophétie qui est rentrée dans la prière. Donc, on n'imagine pas que la prière est un ramassis ou un rassembli de toutes sortes de chansons folkloriques qui ont été choisies un petit peu au hasard de l'évolution de l'histoire. Ce qu'il y a bien entendu, c'est que les sages, connaissant cette structure et voyant quelque chose qui était bien pour entrer dans toutes les générations, il y a eu des choses qui ont été rajoutées là où on pouvait rajouter. Par exemple, il y a des piyutim extraordinaires qui sont chantés dans le yotzer, ça s'appelle des yotzrot. C'est-à-dire, il y en a dans toutes les communautés, et ceux qui sont les plus connus, on avait étudié ça en fait dans le cours sur la prière du Shabbat, c'était il y a 2 ans, 3 ans, c'était ceux qu'on rajoute, c'est ceux que tout le monde rajoute, le Shabbat matin, El Adon Al Kol HaMa'asim, Baruchum Vorar Befikun HaShemar, etc. C'est-à-dire, ou celle qui est juste avant, maintenant, elle ne vient pas en mémoire, mais c'est des piyutim qui ont été rajoutés. Maintenant, comme j'avais signalé, dans les temps anciens, on rajoutait des piyutim, tous les Shabbatot, et toutes les fêtes, et toutes les grandes occasions, dans les prières du Shema, dans les brachot du Shema, dans les bénédictions du Shema, et aujourd'hui, c'est un petit peu tombé en désuétude, sauf pour certaines communautés, pour autant que je sache, Yamim Noraim peut-être, etc. C'est-à-dire celle de Shabbat, tout le monde le fait, on le fait aussi pendant les fêtes, celle de Shabbat matin en fait, d'accord, mais c'est un petit peu, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques puisqu'on avait étudié ça, mais c'est tombé. Chez les Ashkenazim, si vous avez des Sidurim Ashkenazim, il y a énormément de Piyutim qui étaient jusqu'à il y a 100 ans dit dans le Yotzer pendant les fêtes et les Yamim Noraim. C'est-à-dire, mais en général, quand vous avez un vieux Sidur Ashkenaz, vous passez toutes les pages parce qu'aujourd'hui, on ne dit rien de tout ça. Chez les Sfaradim, je connais moins. Je crois qu'il n'y en a pas tellement. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de piyutim. Il y en a comme chez Falrouach, par exemple, qui sont dits avant, c'est-à-dire, mais pas à l'intérieur. Chez Falrouach, c'est avant. D'accord, avant Baruchou. Exact. Oui. C'est traduction en français cheval vapeur. C'est-à-dire, chez Falrouach. Mais en tout cas, l'idée de mettre des piyutim à l'intérieur, pourquoi pas? Mais le tronc commun qu'on a tous, c'est-à-dire toutes les communautés prient en gros de la même manière, sauf les Italiens qui ont aussi quelque chose de spécial le vendredi soir, on a tous le même noussar de la tefila, que ce soit Shabbat, les fêtes ou en semaine, au niveau des berachot, des bénédictions. Et donc, comme je vous ai dit, il y a une pensée énorme de pourquoi est-ce que les choses ont été mises comme ça. Alors, je vais reprendre le thème essentiel de Manitou, qui, comme je vous ai dit, m'avait donné l'indication énorme de tout ça, qui m'a permis de développer depuis des années ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une phrase ou un enseignement de Manitou qui permet ensuite d'étudier et de voir des choses. Et l'enseignement de Manitou, c'est qu'à partir du moment où le Olam HaBriya, c'est-à-dire le monde de la Bria, c'est le monde de l'unification des valeurs, la plus fondamentale, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, entre le créateur et la créature, c'est l'instant de la création, c'est le passage d'un créateur sans créature au moment où il y a un doublé, qui est le créateur et la créature. À ce moment-là, donc, le rôle essentiel de cette valeur qui s'appelle la Bria, c'est de réussir à créer l'unité des valeurs. Et c'est pour ça qu'on va le rencontrer de manière très forte
dans les berachot et les bénédictions de Kriyat Shema, surtout les deux premiers. C'est, on va se rendre compte que les Chachamim, quand ils les ont rédigés, ils avaient ça dans leur tête. Ils disaient, il faut se préparer à dire Hashem Elokeinu Hashem Echad, et on va faire des cours d'unité. Et on va faire des cours d'unification des contraires, et quand on aura tout développé dans les berachot, on sera prêt pour lire le Shema. Vous avez compris l'idée essentielle. Alors, comment ça se divise? Je peux vous dire très simplement, il y a le monde de la nature et le monde de Israël, d'accord? C'est-à-dire, je dirais, le monde du bête de la création et le monde du Aleph de Hanochi, de la révélation au moment du Mahamad Arsina. C'est-à-dire que lorsque on contemple la nature et qu'on recherche l'unité de Dieu dans le monde de la nature, on est confronté à certaines contradictions qu'il faut unifier. C'est-à-dire, lorsque on contemple l'élection du peuple juif, alors on est confronté à d'autres questions d'unification des valeurs. C'est-à-dire, alors, celles du monde de la cosmologie, de la nature, vont être exprimées dans la première bénédiction du Shema, celles de l'élection d'Israël vont être exprimées dans la deuxième beracha du Shema. Maintenant qu'on sait ça, on va passer petit à petit, et puis on va découvrir tout ce qui est dit. Mais vous avez compris que c'est comme si on avait un titre, on avait une définition, on savait à quoi s'attendre quand on commence à étudier la première bracha du Kriyat Shema et la deuxième bracha de Kriyat Shema. Alors, avant de le dire, je vais signaler une chose qui est très importante, c'est les temps de prière. C'est-à-dire que Manitou expliquait que la raison pour laquelle le temps de prière de Shacharit et de Ma'arif, c'est-à-dire les temps où on dit le Shema, sont de manière la plus précise au moment du passage entre la nuit et le jour, et au moment du passage entre le jour et la nuit, parce que les temps de passage sont les temps les plus dangereux. Ce qu'on appelle en hébreu « kol haderachim becheskat sakana ». D'accord ? C'est-à-dire que les chemins sont toujours en potentiel de danger. C'est ça que dit Rachamim « kol haderachim becheskat sakana ». C'est-à-dire que quand je suis chez moi à la maison, je suis en état de stabilité. Quand je suis de nouveau chez moi à la maison, après avoir fait mon aliyah en Eretz Israël, je suis en état de stabilité. Quand je suis dans l'entre-deux, alors on est Bereskat Sakana. La vérité, pour vous m'en rappeler, c'est ce qu'on étudie à Purim quand on parle de la Dormita. C'est-à-dire les temps de passage sont les temps les plus dangereux, que ce soit Galut Geoula en ce moment ou Geoula Galut, destruction du temple, etc. C'est-à-dire que c'est les temps les plus dangereux. Alors, les temps les plus dangereux sont aussi les endroits les plus dangereux au niveau de la géographie. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque tu es en chemin, et puis les temps qui créent ce bilboule d'interrogation, c'est quand on ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu es dans un temps de Esther Panim ou de Gilui Panim, de présence de Dieu ou de présence cachée de Dieu, etc. Et alors, au moment où on passe de l'un à l'autre, c'est le moment ultimatif où tu dois faire le Yichud, créer l'unité des valeurs. Ça, c'est l'enseignement de Manitou. Et c'est pour ça qu'on a toute la, pour Kriyat Shema du matin, on a jusqu'à 3 heures, vous savez, 3 heures, heure solaire, c'est-à-dire que les 3 premières heures de la matinée. Pour faire Kriyat Shema du soir, on a toute la nuit et a priori jusqu'à minuit, c'est la première Mishnah du Shas, c'est-à-dire la Chiket Adamina Avera. En fait, on peut lire le Shema si on a oublié jusqu'au moment du lever du soleil. Le Shema du matin, pour être dans les ordres, comme je dis, 3 heures, théoriquement, sinon on a toute la journée. Il faut savoir, les brachot, c'est autre chose. Quelqu'un qui s'est levé après les 3 heures, il doit lire Kriyat Shema jusqu'au moment de la nuit. C'est-à-dire qu'il faut lire le matin, il faut lire le soir, comme marqué Beshor Becha Uf Kumecha, au moment où tu te couches, au moment où tu te lèves. Donc il y a un moment privilégié, et le moment le plus privilégié, c'est le moment du passage entre les deux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui prient au net. Le net, d'accord, c'est le lever du soleil, c'est ce que j'appelle les honnêtes hommes. D'accord, c'est ceux qui prient à ce moment-là. Et c'est la même chose chez les kabbalistes. On prie aussi Arvit au moment de la tombée de la nuit. Et c'est en fait, la vérité, c'est la coutume des juifs séfarades. Et c'est pour ça qu'il faut attention. Après, Minhama arrive juste à ce moment-là pour bien prier aussi Ma'ariv, et Mincha et Ma'ariv au moment comme ça. D'accord. Alors ça, c'est parce que il faut un yichud horaire entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils l'affirment dans leur prière, mais ils le réalisent au niveau de leur
ils vont prier avec le lever du soleil et l'Amida. Ils vont lire Kriyat Shema juste avant, à la fin de la nuit, et ça va être la même chose au niveau de la tefila du soir. Le soir, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il faut le lire après de cet akoravim, mais en gros, c'est quand même le moment exact qui est le mieux. Et la raison, comme disait Manitou, la raison, c'est pour faire le yichud au moment du passage. C'est au moment où il y a les deux. Alors donc, quel va être le premier yichud qu'on va faire? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Yotzer Or Uvorech Hoshech. Celui qui a créé la lumière et qui a formé la lumière et créé l'obscurité. C'est-à-dire, et la dernière bracha, Yotzer, Baruch Ata Hashem, Yotzer Ameot. Oui, on va regarder à la fin. C'est une très longue bracha. Yotzer Ameot. Non, ça c'est le matin. Yotzer Ameot, le créateur. Quelle est la différence entre Boré et Yotzer? Ah, ça c'est la suite du cours de maintenant. T'inquiète pas, c'est prévu. D'accord? Mais ici, vous voyez Yotzer à Meorot, et quand on parle des Meorot, on parle de la lune qui a rendez-vous avec le soleil. Ou Yotzer Tov Bafou, le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est-à-dire que cette phrase Yotzer Ouvrei Chosher, c'est faire l'unité entre le premier contraire intuitif à l'homme qu'il rencontre dès qu'il prend conscience qu'il existe, c'est l'angoisse de l'obscurité et le fait d'être rassuré par la lumière. C'est-à-dire Yotzero Vorchosher. Comme on dit dans la Havdalah, Amavdil Ben Kodesh Lechol, Ben Or Lechosher, Ben Israël Amim, etc. C'est-à-dire, vous avez deux contraires dans la Havdalah, et le plus fondamental dans la conscience d'un homme, et d'ailleurs apparemment des animaux aussi, il paraît que dans la psychologie des animaux, il y a aussi cette conscience du jour et de la nuit, ils sont nerveux au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire, c'est qu'il y a cette conscience de la lumière et de l'obscurité du jour et de la nuit. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'est le premier chapitre de la Torah. Vayevdel Elokim, Vaikra Elokim Laorion, Velachrocher Kara Laila, Vayer Elokim Kito. D'accord? C'est-à-dire que cette connaissance du jour et de la nuit comme différenciation fondamentale, donc comme Yichud, unification fondamentale, congénitale de l'existence du monde, elle est marquée dans la Torah, et c'est là qu'on dit maintenant. Alors donc, comme je vous ai dit... Ça permet de dire que les bébés ouais. on pleure à cette heure-là. C'est très connu. Vers 5h, vers la fin du jour. D'accord, c'est pas mal pour... Ah ben, c'est marqué dans la Gemara. Mishmeret Achrona. C'est marqué dans la Gemara, merci. Mais il vaut mieux savoir avec ses enfants, surtout ceux qui sont mères de familles nombreuses, n'est-ce pas, Shulami, que de le savoir par les textes de la Gemara comme moi. Mais en tout cas, je ne savais pas, c'est un très beau chidouche. Mais c'est marqué aussi que la dernière, le moment juste avant le lever du soleil, est marqué que c'est le moment où les enfants pleurent et où la femme parle avec son mari. C'est-à-dire, il y a toutes ces connotations. De Kabbalah, là-bas. C'est-à-dire que c'est le temps de Atralta de Geoula. C'est pour ça, Isha Sohaim Ba'ala, Sam Israël im Kutcha Brichu. Mais en tout cas, merci Shulamit, Meot Rachouv, Meot Yafé. Et c'est pour ça que dans la Gemara, il y a marqué que Mitzvah, Leaskir, Midat Yom Ba'laila ou Midat Laila Bayom. C'est-à-dire que dans la bénédiction du soir et la bénédiction du matin, vous avez le même thème. La seule différence est très claire. Celle du soir, elle fait 4 lignes, celle du matin, elle fait 2 pages. C'est-à-dire que celle du matin, comme le matin, on est censé prier longtemps, et le soir, on est censé prier plus court, alors ça dure moins longtemps. Mais dans le thème, Asher bidvaro ma'ari varavi mochma pote asher mitvna mesheni mahalit nazmani, m'sadr tekvam barjaboriyam valaila, golelor mipne hosher, we hosher mipneo. La prochaine fois, je prononce en ashkenaz, parce que sinon les gens ils vont croire que je suis devenu marocain. Mais en tout cas, celui qui fait rouler la lumière devant l'obscurité, l'obscurité devant la lumière, et c'est marqué dans la Gemara que quelle que soit la manière de le dire, on est obligé de le dire, on doit mentionner le jour, la nuit, et la nuit, le jour. Ad que d'écart jusqu'au point où il y a toute une discussion, si quelqu'un s'est trompé et a dit la bracha du soir le matin, la bracha du matin le soir, est-ce qu'il est yotze de chova, et en général, s'il n'a pas dit trop d'erreurs,
Il est Yotze Yedechova. Vous avez compris, c'est-à-dire qu'il a, il s'est rendu acquitté parce qu'en fait, il a dit le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour. Si le jour, on disait que le jour et la nuit, que la nuit, on ne pourrait pas se tromper, intervertir. Dans la mesure où le thème, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de parler du jour, la nuit, et la nuit, le jour, parce qu'on doit faire le yichud entre le jour et la nuit. Alors, c'est ça qui est marqué ici, et c'est ça la première chose qu'on dit. Alors, si vous réfléchissez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on ne va pas commencer avec la religion, avec le peuple juif, avec l'histoire de la sortie d'Égypte. On va commencer avec le commencement, avec la création du monde. C'est-à-dire que, et on ne va pas commencer par le chemin Israël, c'est trop compliqué, Hachem Echad, Vafta, Bechol, Vafra. On va commencer avec ce qui est notre perception immédiate des contraires à unifier, qui sont le or et le rocher, la lumière et l'obscurité. Et vous savez très bien, par exemple, que, comme disait Manitou, les religions qui s'approchaient le plus de l'unité, mais qui n'ont jamais réussi à la faire, c'est les religions dualistes, d'accord ? Dont, par exemple, Zoroastre, la religion mazdéenne, zoroastrique, et qui était toujours avec un thème essentiel, qui est les forces de la lumière et les forces de l'obscurité. Dans le peuple juif, on a un livre, c'était les Esséniens, et on a découvert le livre à Qumran, qui est Milhamed Beneor, Neged Beneah Hosher, les guerres entre les fils de la lumière et les fils de la nuit. Et en Extrême-Orient, vous avez le Yin et le Yang. Et nous, on n'a que le Yid, on n'a pas le Yang. Mais ils font un Yichud. Je ne sais pas comment ils le font, parce qu'ils ont un point noir dans le blanc et un plein point blanc dans le noir. Donc en fait, ils ont une forme de Yichud. Je sais qu'ils le disent, mais je ne sais pas comment ils le font. Mais en tout cas, revenons chez nous. Vous avez compris pourquoi ce n'est pas le plus important, mais c'est le plus immédiat de notre tefila de la Bria. Comme vous avez promis depuis le début, de vous montrer qu'il y a un rationnel de toute la Bria qui est dans l'unité des valeurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a Yotzeror ou Vorechosher ? Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est la question de qui c'était, de Annette. Ouais, c'était la question d'Annette. C'est-à-dire, il y a deux mots différents, le mot Yotzer et le mot... D'abord, il faut savoir que l'origine de notre prière dans ce cas-là, c'est un verset de Yirmiyahu. Je ne l'ai pas imprimé, mais qui dit exactement la même chose. Alors, bon, voilà, bien sûr, c'est le style de n'importe quel Torah. Par contre, la suite jusqu'ici, c'est du copy-paste d'un verset de Jérémie, sauf un mot. Là-bas, il y a marqué « Ki ata ou yotzeror ou vore chosher, ose shalom ou vore ra ». C'est-à-dire, au lieu de marquer Etakol, il y a marqué Ra. Et les Chachamim, ne voulant pas dire de mal dans la prière, ils ont remplacé le mot Ra par Etakol. Et d'ailleurs, vous comprenez très bien, on va l'étudier, la différence entre Etakol et Shalom. C'est-à-dire, Shalom, c'est tout harmonisé, Etakol, tout, mais non harmonisé, c'est la différence entre le blanc et le noir dans les couleurs. Quand tout est en harmonie, c'est blanc. Quand tout est mélangé, c'est noir. Donc, c'est la lumière et l'obscurité au niveau de la peinture, au niveau des valeurs. Vous le savez, hein, si vous mélangez toutes les couleurs, ça donne du noir. Si vous prenez toutes les couleurs selon dans le prisme et de l'éclairage, c'est ce qu'on appelle de la lumière blanche. C'est-à-dire, c'est la lumière blanche, c'est la lumière qui a toutes les lumières, tout le spectre des longueurs d'onde, mais arrangée de manière harmonieuse. À ce moment-là, on est dans pas le rouge et le noir, mais le blanc et le noir. C'est-à-dire, c'est ça qu'on a ici. Donc, on a ici un parallèle. Alors, si vous voulez, on va le mettre comme ça. Ce sera mieux, d'ailleurs. Je vais le mettre comme il faut. Yotzeror uvore chosher, ose shalom uvore takol. Et on va mettre encore mieux que ça. Excusez-moi, il faut que je fasse un peu de manipulation. C'est que on va prendre tout ça. Et on va le mettre au milieu. Voilà. C'est bien. C'est-à-dire, comme ça, on peut mieux l'étudier, ces mots importants. Vous voyez, l'ouverture des brachot, elle est plus longue à expliquer, bien entendu, que tout le reste, et on va terminer aujourd'hui dessus. C'est comme ça. C'est que, ici, souvenez-vous qu'il y a marqué « Etakol », mais il y a cette deuxième lecture qui est le mot « Ra ». D'accord ? On peut le mettre entre parenthèses, puisque les Chachamim. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vous l'avais déjà dit, que essayez de chercher
le mot « ra » et etc. dans la prière, vous ne le trouverez pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune mention du mal dans les prières. Dans les prières, on est toujours dans le positif, dans le bien. Vous imaginez le nombre de prières que les rabbanim auraient pu instituer. Brûle celui-là, efface celui-là, punis celui-là, etc. On aurait pu avoir une Shmoneh Esrei que de choses comme ça. Et en fait, la seule, c'est la Malchimia Teitigva, où il y a marqué Richa. Mais en gros, sinon, et vous savez que c'est une bénédiction qui a été rajoutée dans des circonstances historiques tout à fait spécifiques. Mais sinon, a priori, dans la prière, on est toujours dans le bien, toujours. Et c'est un point qui est très important, c'est une démarche dans la vie. Et donc, et c'est aussi la raison pour laquelle les Chachamim ont censuré. Il faut savoir que derrière le mot Etakol, il y a marqué le mot Ra. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Yotzer et Boré? Tout simplement parce que le Or, comme le Shalom, c'est le bien. C'est-à-dire, quand on parle de cette lumière, c'est la lumière d'origine où il y a marqué Vayar Elohim, et Taor, Ki, Tov. Et on l'avait déjà écrit, et on l'avait déjà appris les années d'avant, que ça ne veut pas dire, traduction, que Dieu a vu que la lumière était bonne, et il s'est dit, c'est super, ça va me chauffer, m'éclairer, donc je vais la mettre au bon endroit. Il a vu que la lumière était la représentation du bien dans le monde. C'est pour ça qu'on parle de Orot Atria, Orot Atshuva, Orot, etc. Quand on parle de Orot, on parle de l'influx du bien de HaKadosh Baruch Hu, qui est dans sa dimension la plus basse des plus basses, la lumière électromagnétique, c'est-à-dire la lumière physique. Mais il y a toutes les Orot qui sont au-dessus, c'est-à-dire toutes les lumières qui ne sont pas physiques, d'accord, qui sont les lumières du bien. Mais la vérité, c'est que la lumière dans le monde, ça fait du bien, ça chauffe, ça réchauffe le cœur, ça donne l'optimisme, etc. Vous savez que les pays où il n'y a pas de lumière, le nombre de suicides est beaucoup plus grand que le nombre de yid. Par exemple, en Suisse, il y a beaucoup de suicides. C'est ce qu'on appelle des Suisses guides. Et c'est vrai en plus qu'il y a beaucoup plus. Et on s'est rendu compte, c'est à cause du manque de vitamine D, qui est la vitamine qui sort de la lumière. Donc, c'est clair que la lumière, c'est Shefa Eloki, c'est la présence de Dieu. Donc, ça, Dieu ne l'a pas créé, parce que la notion de Boré, c'est créé Yesh Meaï. Vous savez, c'est-à-dire la notion de Boré, c'est qu'il est créé de rien. Or, Dieu n'a pas créé la lumière, il a créé l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est de là que sort tout le mal dans le monde. Mais puis Elion, de Dieu, il n'y a pas de mal dans Akadosh Baruch Hu, dans l'Ein Sof, dans la Elokut. Donc, pour pouvoir créer le monde, il a dû créer le mal. Non, ça, on l'avait déjà étudié dans le cours de Manitou sur le premier chapitre de Bereshit. Et pour ceux qui sont un petit peu plus versés dans les versets de la Kabbalah, le Rocher ou le Ra, il vient de ce qu'on appelle le Timtsum et le Halal. Le Halal, essentiellement, qui est le vide que Dieu a créé pour pouvoir créer le monde dans ce vide. C'est-à-dire, c'est ça que nous disons maintenant. On remet les pendules à l'heure. On dit, c'est toi qui l'as tout fait. C'est toi. Et pour pouvoir comprendre comment est-ce que c'est possible qu'il y ait du bien et du mal, qui est de la lumière et de l'obscurité, il faut dire que l'obscurité a été créée ex nihilo, puisque chez lui, dans sa source, il n'y a pas. Par contre, la lumière n'a pas été créée, elle a été façonnée. Façonnée, ça veut dire qu'elle lui a Dieu, avant la création, tout était or en sof, c'est-à-dire qu'il y avait une lumière qui était infinie. Et pour que le monde puisse exister, il faut donner une forme à la lumière, qu'elle soit limitée, pour que le monde puisse exister. Vous avez compris? Parce que trop de lumière de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se disparaîtrait dans la lumière infinie. Et donc, HaKadosh Baruch Hu a fait... Alors, en gros, c'est comme ça. Le Rocher, il vient du Halal, et la lumière, elle vient du Timtsum. C'est-à-dire, le Yotzer, c'est... L'Yitzor, c'est donner la tête Sura. C'est-à-dire que si tu prends l'infini et que tu lui donnes une forme, à ce moment-là, ça veut dire que tu l'as limité. Et c'est ça qu'on dit au début. Et quand on a compris ça, on a compris la dialectique entre le bien et le mal dans le monde, entre la lumière et l'obscurité, d'où elle vient, et on peut faire l'unité de Dieu, on peut dire que les deux viennent de HaKadosh Baruch Hu, l'un venant directement Yotzero, c'est-à-dire elle vient directement de l'infini du bien de Dieu, mais en étant façonné, donné une forme formée, il y a tout Tsura, le Kabel Tsura, et l'autre, c'est ce qui apparaît dans tous les endroits où il y a un manque de présence de lumière. C'est ce qu'on appelle Uvorechoshev. En physique d'ailleurs, il y a une discussion
moderne, d'accord, il y avait une discussion classique de tous les grands de la physique, est-ce que l'obscurité est un non-manque de lumière ou est-ce qu'elle est une essence par elle-même? Est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut créer de l'obscurité, c'est-à-dire en faire l'obscurité, ou l'obscurité, c'est ce qu'on appelle la non-lumière? C'est-à-dire, alors, par exemple, dans la phrase classique des chassidim, « Me'at mina or doche arbe mina chosher », un petit peu de lumière fait fuir beaucoup d'obscurité. C'est dans le principe que l'obscurité n'est qu'un néant de lumière. Il suffit d'allumer une allumette pour qu'il fasse plus nuit, c'est-à-dire pour chasser la lumière, l'obscurité. Donc, c'est une possibilité de faire les choses au niveau physique aujourd'hui, parce qu'on appelle l'interférence. On peut savoir qu'il y a une possibilité de créer une obscurité. C'est des questions qui lient les questions physiques avec les questions métaphysiques. Mais disons, pour revenir sur nos pieds, en gros, il y a marqué clairement les choses. Ici, si tu veux pouvoir faire le lien, l'unité entre les deux, il faut que tu saches que l'obscurité et la lumière existent dans le monde, mais l'obscurité vient d'une Beria et la lumière vient d'une Yetzira. Ensuite, on voit exactement la même chose, il y a marqué Borera. D'accord ? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas marqué Yotzer Shalom et là Osé Shalom. Et là, on revient à tous nos noms qui sont très importants. La Asiya, la Yetzira et la Beria. Vous voyez que tout est ici, c'est incroyable. Il n'y a juste pas la Atzilut. Mais pourquoi ? Parce que le Shalom dont on parle ici, c'est la capacité de réussir une harmonie, donc une unité de tout, même dans la Sia jusque tout en bas. Et c'est-à-dire, mais par contre, on nous rappelle que le Ra ou Etakol, c'est-à-dire tout vient, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du Ra, c'est-à-dire du mélange de tout, des choses qui ne sont pas encore organisées de manière harmonieuse par la présence de Dieu, à ce moment-là, ils sont encore dans l'ordre de qui sont au moment de la Bria. Voilà, on a fini avec cette analyse. Je l'ai fait un petit peu en vitesse. Si vous désirez que la semaine prochaine, je reprenne un peu avant de continuer, puisque la semaine prochaine, c'est le dernier cours sur les trois brachot. Donc, je vous appelle, ou poser les questions maintenant, ou bien les poser la prochaine fois, pour qu'on puisse expliquer les choses. Shalom à tous ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Vous voulez poser des questions? Je vois qu'il y a des chats, mais je ne sais pas ce que vous avez marqué dessus. Oui, comment tu peux... Allez-y. Non, pour que le yin et le yang, là, les symboles, en réalité, c'est la dialectique des deux principes complémentaires. Le masculin, le féminin, le chaud et le froid, les deux, tout ça, le fort, le faible. Donc, ils ne sont pas complètement dualistes. Comment ? Ils ne sont pas complètement dualistes. Ils sont à la recherche de l'unification. Oui, parce que dans l'œil, il y a un peu de l'autre, comme dans le principe masculin et féminin. Ah. Donc, voilà. Dans les caractères, dans tout, on peut voir les deux. Top, ça prouve qu'il s'approche de nous. Top, Moshe ? Oui, Yotzer, Boré, j'ai compris, tu crées. Comment tu traduis Yotzer alors ? Yotzer, ça vient du mot Tsura. Révélation ? Quoi ? Non, Tsura, c'est une forme. C'est donner une forme à une matière. Dans ce cas-là, ce n'est pas une matière. D'accord, mais nous, on avait vu ça aussi à propos des psukhet zimra, qui est l'olam ayetira, c'est-à-dire la contemplation de la matière avec la forme. D'accord, ça, c'est quand on avait vu. Mais yetira, de manière générale, c'est donner une forme à quelque chose, c'est-à-dire à une matière, a priori, informe. Okay. Production, il a fait. Soda. Encore une question, une remarque? Nicole, non. Elle comment dit, c'est pas. Ok, d'accord. Oui. C'est pas sur le schéma directement, sur la prière en général. Le matin, j'ai un problème. Je n'aime pas commencer ma prière par mentir. Et on commence en disant Aleni, Mekabel Alay, Veni Oheb, Kolechalme Bez, Kenafi maudit. C'est pas vrai. Ni pour moi, ni pour personne. Je ne connais personne comme ça. Comment on explique ça? Alors, je vais dire. D'abord, tout le monde ne le dit pas. C'est le Hari Akadosh dans Shara Kavanot qui a dit de le dire. Et moi, Avonotai Herbim, comme ce n'est pas marqué dans mon Sidour, j'oublie la plupart du temps de le dire. Tu regardes les Sidourim Ashkenazim, si tu en as un chez toi à la synagogue, il n'y a pas marqué dessus. Parce que ça vient du Hari Akadosh. Alors, je dirais comme ça. Comme ce n'est pas d'Ivrei Chachamim,
D'accord, c'est pas marqué dans le sidour habituel et que c'est relativement postérieur. Même si tu le dis et que tu penses, tu peux tout à fait changer le noussar. Par exemple, tu peux dire Areni Mishtadel, Areni Rotse ou Areni Shoef, c'est-à-dire je voudrais bien, tu vois. Le Hari pouvait dire Areni Mekabel. Mais si toi, tu sens que tu dois dire d'ivrei emet, alors je te dis, tu vas pas l'effacer, mais tu vas le dire. Tu vas le dire, le fille à Madriga, selon la Madriga que tu sens qui sera véritable dessus. C'est mon conseil. Il n'y a aucun problème de halakha à faire des entorses de texte de manière personnelle quand tu n'es pas dans la Hamida ou dans les Kot Kiyashema qui sont des textes de, comme j'ai dit, qui sont des textes prophétiques. Là, c'est et la preuve, c'est que la plupart des communautés ne le disent pas, donc ce n'est pas quelque chose qui est ni obligatoire de dire exactement les mêmes mots. C'est la Aniudati. Maintenant, après ça, le derer pour arriver à la Kavana du Hari, et pourquoi il a dit qu'il faut le faire à ce moment-là? Parce que notre prière, elle est reliée avec le fait qu'on est une neshama de Knesset Israël et que c'est comme ça qu'on prie. C'est-à-dire, alors, plus mitor limoud, mitor mudaout, par étude, non seulement on y croit, mais on connaît ce principe, plus c'est facile théoriquement de dire pourquoi je dis ça. Mais de réussir à l'appliquer tous les jours, ça t'as raison, c'est ma chouard. C'est-à-dire? Le problème, c'est que les rabbins l'ont écrit. C'est que le rabbin, le Hari, il a dit de le dire. Bon, mais tu te souviens de ce qu'a dit Manitou? Il a dit que tout ce qui est écrit, c'est une catastrophe. Parce qu'une fois que c'est écrit, on croit qu'on est obligé de l'écrier. Nachon, sur tous les toits. Parce que c'est l'écrit et chuchotement. Et donc, c'est écrit. Mais il disait, l'écrit ne t'impose rien du tout, sauf ce qui est le contenu qui est à l'intérieur t'impose, mais pas l'écrit. Donc, c'est un peu ce que je t'ai répondu. Le contenu. C'est-à-dire, il faut le matin te lever dire je vais prier, mais ça doit être une des bases. Regarde, c'est pas la seule. Regarde dans le Shara Kavanot. Tu verras qu'il dit Arina Hag de dire ça, encore une autre phrase. J'ai oublié quelle est la deuxième phrase, mais qui est marquée tout de suite à côté. C'est-à-dire que c'est une démarche de tfila, nachon. C'est-à-dire, éloquez-nous. C'est-à-dire, on ne parle pas de la Shon Yachid, on parle de Shon Rabim, c'est de la tfila. C'est déjà marqué dans la Gemara, dans le Zohar, l'Ishte Finish Beade de Tzibura, etc. C'est-à-dire qu'on doit de toute façon prier au pluriel. Et ça, c'est le Hari qui l'a traduit. Mais après ça, c'est pas parce que c'est écrit, c'est parce que c'est... Ah, comment disait Manitou? C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Alors, il faut rester dans les mètres. C'est... Comme tu pries vers l'est, tu gravis les vrais est. Je viens de la faire maintenant, elle est inédite. Tov. Yala. Alors, encore une question, une remarque, sinon on s'arrête là. On a plus de place dans le carnet de toutes les finesses, de tous les jeux de mots. On a plus de place dans le petit carnet pour les jeux de mots. C'est dommage. Achète un grand carnet alors. Merci beaucoup. Ça donne notre savoir. Prière, et à l'heure de la prière, la tefila. Oui, c'est ça, il y a fait mort. Chazak ou Barouk. C'est ma téfine. Yala. Alors, Yitro, quel homme de Koulam. Toda Rabba. Comme on a dit, c'est sûr maintenant qu'il y aura un cours la semaine prochaine, parce qu'il sera sûr pour terminer, et après il y a les grandes vacances jusqu'à après les Hagim, où on ne parle plus de Tfila, donc je vais terminer la Bria, et Bezrat Hashem l'année prochaine après Sukkot. On commencera la Hamida, si Dieu veut. C'est-à-dire, donc, c'est ça. Toda Rabba. Merci à tous et à toutes. Toda Rabba. Alors. Toda, shalom. Shalom, shalom.
Joël. 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 C'est très bien. Merci, allez, on ferme.
Allons. Tu m'entends? Je trouve pas. Il y a quelque chose maintenant? Ah, t'as raison, j'ai oublié complètement, il y a Spira. Ah oui, mais je ne vois pas, moi, oui, c'est Spira. Je ne vois pas que c'est Spira. Eh bien, je te l'envoie. Je te remercie. Et c'est pas maintenant, hein, c'est dans 10 minutes. Oui, d'accord. Parce que... je te l'envoie. Merci beaucoup. Ciao. Shalom, shalom, bonsoir à tous. On va aller voir le cours de Georges Spira dans 5 minutes. C'est sur l'autre...